We're going to the next panel, and if you think about yesterday and what we heard about yesterday and all the projects we've seen and that we learned about, they were so diverse, and they came from different areas and from different sectors, and there were different people on the stage, but from 99.9% of all of these people, we heard one sentence. It was always, "And then I met Gunter Pauli." Or, "And then I got introduced to Gunter Pauli." So we thought it would be a good idea to have Gunter Pauli up here on stage. Innovator, of course, one of the blue economy pioneers of this world. And he will introduce us yet to another project and to another very, very interesting person in Africa, who is very much involved in a blue economy project in Africa. So I'll let the stage to Gunter Pauli, that he gives us that next story in a line of many, many stories. Please, the stage is yours, Gunter. This is not fair, but you have the right to do that. Thank you so much for the extraordinary presentation this morning. I mean, that was inspiring, that was concrete, but I'm going to take you out of Europe. Please have a seat, Asma. I'm going to take you out of Europe. We got to get out of Europe. I mean, hey, do you want to have many more people crossing the Mediterranean to come here, or do you want to really have sustainable development over there? Not just necessarily spurred by entrepreneurs, but by large corporations. So I have the pleasure of having here Asma Hajani. Thank you. Asma is from Morocco. She is leading initiatives inside the largest producer of the world of phosphates. And phosphates. And whenever we think about phosphates, we think about agriculture. But when you see phosphates being mined in Morocco, you may think something else. And so one of the basic principles I apply is there is no bad and good. I leave that to someone else to decide what is the good and the bad. I don't have the right to judge, but I have the right to do my utmost to make everything better. And I think this positive approach, I got the opportunity to meet the team, the chairman, the executives, the workers in OCP. And therefore, I thought this was really an extraordinary opportunity to get inside what is happening just on the other side of the Mediterranean and what are the extraordinary opportunities that are there, but what are the great initiatives they're already doing. So, Asma, what is OCP? Quel plaisir d'être parmi vous. Merci, Gunter. Merci pour cette invitation. Donc en fait pour l'OCP, je préfère aller vraiment dans ce qu'on fait et pourquoi on est là aujourd'hui. Après pour les détails des chiffres, vous avez le lien. Mais on est un des leaders mondiaux en fait dans les fertilisants, dans l'extraction de phosphates. On fait un panel de produits, mais vraiment je vous laisserai voir parce que c'est pas ça l'objectif. Vous aujourd'hui. Faites 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus ou moins. Exactement. Voilà, donc, un peu la taille, hein, pour connaître la taille. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, si on est là dans un sommet, dans le Zermatt Summit, donc pour Humanizing the Globalization, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, de par notre activité, on est obligé, et c'est en fait un état de fait, qu'on est dans l'humanisation. Je vais commencer par la citation en fait de notre président, qui est un ancien de MIT. C'est un homme formé à MIT. C'est un homme avec une vision de gestion, d'innovation, d'engineering. Exactement. Our sustainable development vision is deeply rooted in our DNA and is integral part of our raison d'être. Indeed, our mission of feeding the soil to feed the planet is inherently people-centered. This is Mustafa Tarab, our chairman and CEO. Feeding the soil means the ground. I sometimes ask him to feed the soul, the spirit as well. Okay? I think we need both. Donc en fait, l'entreprise OCP est vraiment human-centric.
Aujourd'hui, en fait, en 2016, notre président a cette vision qui est la Human Centricity. Il a, dans ce cadre-là, en fait, lancé l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Gurion, dans le cadre de l'empowerment des jeunes, pour démocratiser l'accès à l'éducation. On a lancé en fait des projets d'école de coding, à l'instar de 42, à l'instar de Simplon. Donc on a deux écoles de 1337 aujourd'hui au Maroc, une à Ben Gurion, une à Khouribga. On a UCode, qui est la jumelle de Simplon. On a, notre président nous a donné la possibilité en fait, d'avoir 4 semaines de travail communautaire en plus de nos vacances pour responsabiliser les employés, et nous remettre la responsabilité vraiment de notre développement et du développement de notre territoire. Il y a combien d'employés ? On est à 20 000 employés. 20 000 personnes qui ont le droit de prendre un mois par an, payé par l'entreprise, pour qu'on fasse des projets communautaires et de développement au Maroc. Je vous lance le défi aux Suisses. Hein. Combien d'entreprises suisses donnent un mois par employé pour faire ce type de travail ? C'est extraordinaire. Et pour le mettre dans un contexte, le Maroc est un pays des jeunes. La population, elle est jeune. Il n'y a pas assez de place dans les universités, alors l'entreprise a décidé de créer son MIT. Tout c'est à vrai, fait. Non ? Tout à fait. Ils ont dit, on ne peut pas seulement populariser l'éducation universitaire. L'université de Marrakech, une université avec déjà 125 000 étudiants, c'est l'université francophone la plus importante de l'Afrique, et ça ne suffit pas. Et je crois que là, c'est la responsabilité de l'entreprise de lancer non pas seulement une éducation à très haut niveau, une sorte de miroir de MIT, mais à côté, ils ont créé des entreprises de codage afin que les jeunes puissent faire le coding de tout ce qu'on a besoin, avant tout au sein de l'entreprise. Et pas seulement, parce que c'est dans le cadre vraiment de la promotion de l'entrepreneuriat que OCP a souhaité mettre ça en place, parce qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité en tant que grande entreprise au Maroc de promouvoir cet esprit entrepreneurial. Et je pense que c'est une des principales thématiques aujourd'hui. En plus de l'entrepreneuriat, ce qui a été promu au sein de l'OCP depuis l'arrivée de M. Tsarab, c'est l'intrapreneuriat. Et dans ce cadre-là, en fait, on a eu une grande porte ouverte par notre président avec vraiment des moyens, des budgets derrière, qui s'appelle le mouvement. Ça a été présenté, je pense, il y a 2 ans par M. Hicham Labté, qui était le porteur de ce projet-là. Et c'était en fait une porte ouverte où chaque employé de l'OCP pouvait venir avec une idée à valeur ajoutée pour le groupe, pour la communauté, pour le Maroc et au-delà, mais vraiment à valeur ajoutée, et pouvait avoir le soutien de l'entreprise. Le soutien, pardon, de l'entreprise est financier et humain. Donc, tout pouvait s'organiser derrière pour qu'on puisse faire aboutir ces initiatives. Il y a eu des... Pas seulement des initiatives commerciales. Non, tout à fait... Tout à fait ouvert. Ouverte. Ce que vous croyez, comme ça fut présenté au début ce matin, des initiatives que vous croyez qui sont importantes, vous avez l'appui administratif et financier de l'entreprise pour vous libérer. D'ailleurs, le 1337 est une initiative qui émane du mouvement. Donc, il y a eu l'idée de mettre une entreprise de codage, en fait, une école de codage sans limite d'âge, donc de 18 ans et plus. Et voilà, c'est effectif aujourd'hui au niveau de 2 sites avec des capacités assez intéressantes d'étudiants. Donc, c'est vraiment cet esprit de retrouver la dignité, de redonner le pouvoir aux jeunes, de pouvoir décider de leur avenir, est inhérent à notre vision à l'OCP.
Aussi notre responsabilité environnementale. Le groupe OCP en fait a mis en place un programme d'économie circulaire depuis à peu près un ou deux ans. Les achievements jusqu'à présent en fait ce sont 70% d'énergie à l'OCP aujourd'hui c'est de l'énergie renouvelable à travers la cogénération. 70% de l'énergie pour toute production des phosphates est une énergie renouvelable. Mais il y a un projet assez extraordinaire que vous avez fait. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de la... Plus, il s'imagine des projets qui sont hors du raisonnable. En fait, il y a des distances dans la mine. Ça, c'est un état de fait. Et, entre la mine et les Et la chimie, en fait, parce que le processus d'extraction, en fait, je ne pensais pas que... Mais notre processus, en fait, il y a l'extraction, il y a la valorisation dans des sites chimiques, et ensuite, il y a l'export. Entre la mine et la chimie, il y a un certain nombre de kilomètres, ça peut varier entre 200 et 300 kilomètres. Notre président, en fait, en 2008, a mis en place, a souhaité supprimer les trains qui relient la mine à la chimie en mettant en place un pipeline qui conduit directement la pulpe, c'est-à-dire la roche mélangée avec de l'eau, de la mine directement vers la chimie. Alors qu'avant, il fallait sécher cette pulpe parce qu'elle était lavée, il fallait la sécher, il fallait la mettre dans des trains et la transporter vers les sites chimiques pour qu'elle soit valorisée. Alors elle a décidé d'appliquer la loi de gravité. Tout à fait. C'est simple, hein. Alors c'est assez extraordinaire, il a décidé que le train n'était pas écologique parce que le train passe avec le cargo à 300 km et remonte vide. Il n'a rien à mettre là-dedans, alors elle a supprimé, et aujourd'hui il y a un tuyau qui transporte tout. Mais comme dans les montagnes, il y a une abondance d'eau, et à la côte, il n'y a pas d'eau, ça n'avait pas de sens de sécher les phosphates lavés dans les montagnes, de les transporter, et de redevoir les mettre de l'eau, et on a bien entendu sécher pour éliminer le transport, pour réduire le coût de transport. Ce projet de 300 millions d'euros fut réalisé, avec un ROI, un Return on Investment, de 18 mois. Ils ont dû construire une entreprise, un joint venture d'engineering, pour le réaliser, parce qu'on pensait que c'était un projet farfelu. C'était pas sérieux. C'est réalisé, parce que c'est un ingénieur qui a dit que la loi de gravité gagne toujours. Tout à fait. Donc, notre vision n'est pas moins, j'ai perdu mon mot. En anglais. Ambitieuse. Ah, voilà. Que ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, on travaille sur la réhabilitation des mines. On travaille sur la fertilisation raisonnée, appliquer la juste dose d'engrais au juste endroit. On travaille sur des cartes Mais de fertilisation. Mais vous le faites avec des pays spécifiques. Vous travaillez par pays pour développer les engrais pour l'Éthiopie, pour l'Inde. Chaque sol. Pour chaque sol. Donc on a une carte des sols qui a été faite en Afrique pour vraiment cibler les fertilisants à mettre par sol, the right quantity. On a aussi travaillé sur l'éducation des fermiers dans ce cadre de vraiment empowerment aussi. Comment savoir à quel moment mettre le fertilisant, comment optimiser la mise au sol du fertilisant. Jusqu'à dernièrement, ce qui a été toujours fait dans le cadre de la rentabilité, c'était d'extraire les phosphates des couches les plus riches. Aujourd'hui, on va extraire le phosphate dans les couches les plus pauvres afin d'extraire le maximum. On travaille à valoriser les autres couches. Comment valoriser les autres couches? Comment valoriser? Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours sur la valorisation des Quel autres couches. Quel est le projet le plus ambitieux? Le plus ambitieux aujourd'hui est de travailler sur de faire du papier à partir faire du de, papier. De d'une couche de carbonate de calcium qui est largement disponible au niveau de nos mines. C'est-à-dire qu'on va faire du papier avec des roches, papier pierre, un papier minéral. Est-ce qu'on a besoin d'eau pour ça?
Non. On n'a pas besoin d'eau. Est-ce qu'il faut couper encore des arbres? Non. Alors c'est quand même une bonne proposition. Est-ce que notre ami Henry, il est là? On le verra cet après-midi. Ah, il est dans l'interview. C'est-à-dire que vous verrez cet après-midi le partenaire chinois qui sera le responsable de livrer les technologies pour que la totalité de la masse, ce sont bien entendu les phosphates, les rochers, les silicates, etc., qu'on va utiliser la totalité. Et pour en faire quoi? Le papier. Le papier pour faire quoi? Alors, ce qu'on a discuté, c'était de partir sur du carton, afin de... Carton ondulé, fait avec des pierres. Ça vous paraît un peu hors du raisonnable? Si nous ne pensons pas hors du raisonnable, il n'y a pas de futur. Hein. Si nous restons raisonnables, il n'y a pas de futur. Nous devons devenir irresponsables et sans raison afin de nous imaginer un futur, mais qui est techniquement et qui est financièrement intéressant et qui donnerait combien d'emplois? On parle de 500 emplois pour commencer avec tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est des chiffres, je pense qu'il faut préciser, mais pour la région, c'est assez considérable. Et quel autre projet est-ce que vous avez en tête? Donc en fait, il y a plusieurs projets, notamment en fait, il y a plusieurs projets de réhabilitation. Aujourd'hui, c'est vrai que la mine consomme pas mal de terrain. On travaille déjà sur des projets de plantation de plantes très peu consommatrices d'eau, parce que le Maroc est un pays en stress hydrique. Donc on essaie de rationaliser la consommation d'eau. Et dans ce cadre-là, l'OCP lui-même en fait, est aujourd'hui à 30% de sa consommation d'eau non conventionnelle. Et d'ici 2028, vise 100% de consommation d'eau non conventionnelle. Donc, c'est quoi l'eau non conventionnelle? L'eau non conventionnelle, c'est de l'eau qui n'est pas potable. Donc c'est soit de l'eau qui a été désalinisée ou de l'eau issue des steppes, donc du traitement des eaux usées. Et donc l'objectif est que toute la consommation d'OCP d'ici 2028 dans le programme d'économie circulaire soit de l'eau non conventionnelle. Donc on n'irait pas puiser dans de l'eau qui serait utilisée pour de l'agriculture. Et vous avez le même objectif pour l'énergie? Le même objectif est d'arriver à 100% dans l'énergie renouvelable. Un de nos sites est déjà à 100%, le site de Layoun. Et tous les autres sites ont pour objectif d'arriver à 100% d'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, pour revenir à l'histoire de la réhabilitation, un des projets qu'on envisage aussi, sur lequel on est en train de travailler en mode POC, est de réinjecter du carbone dans le sol via la plantation de chardon. Le chardon. Vous connaissez le chardon? Thistles, en anglais. Alors, le chardon, c'est considéré comme quoi? Une mauvaise herbe. C'est intéressant, on va planter des mauvaises herbes. C'est-à-dire que nous, comme êtres humains, nous avons qualifié le chardon comme mauvaise herbe par ignorance, parce qu'on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le chardon? Ah, je vous inviterai en Italie. Ah oui, chez mes amis. Chez les amis de... Et on... We met Gunther Poli. Donc le chardon, notre objectif en fait, c'est vraiment de rester dans nos besoins. Aujourd'hui, on consomme, étant une entreprise minière, pas mal d'huile. Et notre objectif est de faire de l'huile et des lubrifiants. Voilà, des lubrifiants en concert. Oui, ce ne sera pas de l'huile alimentaire, tout à fait. Mais c'est des lubrifiants pour notre propre consommation et pour la vente éventuellement. Donc c'est un des projets sur lesquels on est en train aussi de travailler. En Italie, on fait du bioplastique, éventuellement. On ne sait pas encore, mais la porte est ouverte aujourd'hui à l'OCP, vraiment à tous les projets innovants qui redonnent de l'emploi, de la dignité, du pouvoir aux gens de décider, de l'entrepreneuriat, de l'ouverture d'esprit. Et qu'est-ce que vous feriez dans le sud du pays? Dans le sud du pays... Vous avez une grande installation qui est en train d'être quand même redéveloppée.
Vous avez une mine, vous avez un site industriel en plein développement, vous créez une autre université dans le sud. Tout à fait. Donc il y a une branche de l'université qu'on est en train de construire dans le sud et qui sera une branche dédiée au sud parce qu'on est parfaitement convaincu que les spécificités de région ne peuvent pas être standardisées et que les besoins qui sont régionaux sont vraiment des besoins à prendre en considération de manière individuelle et de manière spécifique. Donc on n'est plus dans le standard. Et dans cet esprit-là, et vu la côte dont nous disposons dans le sud, nous avons pensé à un projet d'algues afin de faire du biogaz au niveau des différents... Vraiment, empower the local community dans les villages de pêche, dans ces régions-là. Les villages de pêche où on pêche aujourd'hui des plastiques. Hein. Ouais. Alors, il n'y a plus de pêche, hein. Les poissons sont perdus. Alors, il faut faire là. Et alors, on a fait des tests avec les experts qui se sont rendus compte qu'il y a tant de plastique. Hein, quand même, Tout à fait. C'est bourré de plastique, mais aussi les microplastiques. Et on a constaté que sur les algues, les macro-algues qui poussent, il y a des microplastiques qui se rattachent. Et avec le projet du biogaz, nous avons la possibilité d'éliminer quelques milliards de microplastiques, ça veut dire quelques kilos. Il ne faut pas s'imaginer des tonnes, mais ce sont des milliards de microplastiques qui sont récupérés en quelques kilos, qui sont mélangés avec les plastiques qui sont récupérés dans le Sahara. Il y a 40 kilos de plastique par hectare dans le Sahara. 40 kilos déjà. Il faut le récupérer, il faut le transformer en énergie. Et c'est un des projets qui est en cours d'être contractualisé. Contractualisé. C'est pour proof of concept. Voilà, le proof of concept. Mesdames et messieurs, je souhaite vraiment respecter le temps qui nous a été alloué. Nous avons encore 30 secondes. Quelles sont tes dernières remarques pour cette session? Après, vous discutez à la volonté. Hein. Aujourd'hui, en fait, l'objectif est de partager avec vous qu'un grand groupe ne peut pas se limiter à l'industrialisation et il peut remettre du cœur et de l'humain au sein de son organisation déjà de manière managériale et commencer par lui-même, être exemplaire lui-même vis-à-vis de ses employés et par la suite vis-à-vis de sa communauté et que la responsabilité humaine repose sur les épaules de chacun d'entre nous et de nous tous. Je te félicite. Merci. Félicitons Asma et Sandro. Merci.